Sœur Agnès. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez-moi, mon Père, car j'ai péché. Ouvrez votre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, je suis parfois distraite dans mes prières. De quelle manière ? Il m'arrive que mes pensées vagabondent vers ma vie d'avant, vers ma famille. Il n'y a pas de mal à penser à sa famille. Offrez ces pensées à Dieu, qu'elles fassent partie de votre prière. Oui, mon Père. Y a-t-il autre chose ? Non, mon Père. Êtes-vous sûr ? Oui. Alors prions ensemble. Mon Dieu, je regrette de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Je vous pardonne vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Agnès, quel est cet embarras? Pourquoi cachiez-vous ce pli? Donnez-le-moi. Cristobal, mon amour, mon seigneur et mon maître. Pauvre créature. Ainsi, votre réserve n'était que prétexte et dissimulation. Mon père, je vous en conjure, rendez-moi ma lettre. Je ne peux vous la rendre. Je la remettrai à votre mère supérieure qui saura en tirer les leçons. Non, je vous en supplie, ne dites rien à la base. J'ai cru pouvoir vous en parler. J'implore votre miséricorde. Ayez pitié de ma jeunesse. Ayez pitié de la faiblesse d'une femme. J'ai peur des punitions. Ce n'est pas la peur de la punition qui devrait vous tourmenter, mais l'offense que vous avez faite à Dieu. Seule la sévérité peut vous permettre de guérir la profonde blessure que vous avez faite à votre âme. Au lieu de chercher à l'éviter, vous devriez la souhaiter de tout votre cœur. Cristobal, mon amour, mon seigneur et mon maître. Depuis notre dernière entrevue dans les jardins du couvent, il se passe quelque chose dont je ne peux m'ouvrir à personne ici. La mère supérieure ne peut pas comprendre. Fuir est la seule solution. Je dois quitter cet enfer au plus vite. Ô Cristobal, je me sens si seule avec mes pensées. Je me languis de vous. Je vous embrasse tendrement. Agnès. Quelle est donc cette chose que je ne peux comprendre? Levez la tête! Regardez-moi! Pensez-vous être plus habile que d'autres pour dissimuler de si lourds secrets? Comment avez-vous osé commettre ce péché ici? Un sanctuaire dédié à notre Seigneur. Vous allez subir le supplice de la faim et de la soif. Jusqu'à ce que vous rendiez votre âme. Non. Thank you.
Elle ne peut pas me laisser là, n'est-ce pas? Elle nous aime et nous protège toutes. Et mon enfant? Que deviendra mon enfant? Cruel Ambrosio, pourquoi n'avez-vous eu aucune pitié? Mère Sainte-Agathe, ma mère, j'ai peur pour mon enfant. J'ai soif, donnez-moi à boire. Mon enfant est mort. C'est vous qui l'avez tué. Vous m'avez condamné sûr de votre vertu. Mais vous aussi avez été faible. Vous aussi avez commis le péché de chair.